Allez, on essaye d'alterner, de jouer sur Chamakh. Chalmé maintenant, Chalmé encore pour Marwan Chamakh face à Taïwo. Gourcuff, Chalmé, encore Chamakh. Voilà Gourcuff, le jeu en triangle bordelais. Gourcuff, Chamakh qui se retourne, ça c'est bien fait, encore le 1-2, c'est magnifique, oh, super. C'est superbe. Égalisation de Marwan Chamakh, celui qui revient de blessure, qui souffrait d'une entorse à la cheville droite. Et là, un coup majestueux, festival technique et collectif de Bordeaux, Olivier. Et absolument, David, quel festival, vous avez raison de le dire. On va voir comment Chamakh et Gourcuff vont emmener ce ballon. Tout va partir de Johan Gourcuff, côté droit. Et il va y avoir un 1-2. On va revoir tout ça au ralenti. Chamakh, lui, ne s'est pas posé de questions. Regardez, c'est Gourcuff qui emmène le ballon. Il va trouver Chamakh une première fois, qui évite Caboré. Relais avec Wendel. Bon contrôle de la poitrine. Frappe instantanée. C'est absolument superbe. Un but tout en mouvement. Ah, c'est Gouffran qui fait la petite passe. Oui, c'est Gouffran, pardon. Un jeu tout en mouvement. C'est superbe. Diawara. Chamakh. Chamakh, oh, et de la tête qui essaye d'embarquer Zubar. Et encore Chamakh, qui sera peut-être le grand bonhomme de ce match, à moins que ce ne soit Kavenaghi. Voilà enfin une occasion. Il a fallu attendre 54 minutes pour voir Kavenaghi frapper et alerter Mandanda. Ouais, gros travail de Chamakh qui va décaler Kavenaghi et l'enchaînement rapide de l'attaquant. Chamakh. Kavenaghi encore, ça passe. C'est comme le premier but bordelais tout à l'heure. Ça va vite avec de belles combinaisons. Ouais, Zubar pour essayer de se dégager. Ouais, ouais. Zubar encore, est-ce qu'il va réussir? Ah, ce sera compliqué pour Zubar et les Bordelais qui se pressent pour récupérer. Ça a été récupéré, quel mordant, quelle volonté chez les Bordelais. Chamakh, l'arrêt de Mandanda, mais on retrouve, ça y est, le jeu bordelais toujours sous l'impulsion de Chamakh. Oui, avec une bonne déviation de Wendel sur Chamakh, la frappe en se retournant, Mandanda est encore là. Il y a simplement un petit peu de passivité dans la défense marseillaise à l'heure actuelle, David. Et c'est un dégagement, c'est un peu difficile, mais quand même, avec Kavenaghi. Ouais. Attention à ce ballon en profondeur pour Chamakh. Long ballon en profondeur à destination de Marwan Chamakh qui va fixer. Chamakh est passé une fois devant Zubar. Le ballon bien enveloppé, qui passe à côté. Ah, il s'en veut, mais c'était difficile. Oui, c'était difficile, c'est bien joué, c'est bien tenté. Regardez, il va éliminer Zubar. Ensuite, il va essayer d'ajuster Mandanda. C'est enveloppé, pas suffisamment. Un but partout, Marseille reste invaincu. Mais il y a toujours 4 points d'écart entre les deux formations. Butiné connaît après la deuxième minute. Et Chamakh avait égalisé à la 24e.